Bug sur le logiciel Jimagex. Donc Jimagex, c'est un petit utilitaire, voilà, en exécutable, qui sert à reconstruire, à dézipper, reconstruire une image Windows.wim. Donc c'est l'image Windows.wim que vous avez dans l'ISO de Windows, dans le dossier source ou ressources, je ne sais plus. Bref, donc ça. Sur cet utilitaire-là, il y a un bug. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, je l'exécute. Éventuellement, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc, ici, par exemple, là, j'ai déjà ici préparé un dossier que j'appelle nouveau dossier pour l'utilisation de ce logiciel-là. Ce dossier-là, bien entendu, je l'avais créé déjà avant. Voilà. Avant que je l'ouvre. Là, je viens de l'ouvrir. Là, je viens de l'exécuter. Donc, ce le dossier-là, il était créé avant. Et vous allez voir que ben, de ce fait qu'il était créé avant, eh ben, ça lui pose un problème. Donc, ça, c'est un bug. Alors, celui qui me dit que c'est pas un bug, désolé, moi, je dis que c'est un bug. Vous avez beau me tenir tête, c'est un bug. Donc, je l'ai créé dans mon disque dur Z. Voilà, nouveau dossier. OK. Donc maintenant, je vais faire comme si j'utilise ce logiciel. Donc je vais faire un montage. Je vais dézipper une image .wim. Et vous allez voir qu'il n'y a pas un seul bug là-dessus. Alors je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo. Donc je me mets ici sur mount. Et là, mount.source. Donc source, bah, c'est la source du dossier compressé en .wim. Donc la source, je vais chercher ici la source. Donc là, je prends celui-ci au hasard, voilà, hop, point .wim. Il faut que ce soit un point .wim. Mais comme je vous dis, hop, pour mieux que vous compreniez, là je suis dans mon dossier CD de secours. Et là, j'ai l'ISO de Windows 10 PE. Et dans le dossier source, voilà, c'était ça, il y a celui-ci. J'ai juste fait un copier-coller. Bon, je peux prendre celui-ci si vous voulez. Donc là, je le sélectionne une fois, je fais ouvrir. Donc là, je demande au logiciel de me l'extraire. Là, le but de ce logiciel-là, c'est d'extraire et de reconstruire pour faire des modifications. Ensuite, il me demande mount point, donc localiser l'endroit où je veux que ça s'extrait. Je clique ici, je vais dans mon disque dur Z et je choisis nouveau dossier. Hop, OK. Là, je fais ici red and white. Et là, vous voyez, là, je lui demande de me dézipper, puisque j'ai choisi le dossier source, ici, qui est en point .wim. Donc, point .wim, il est compressé. Mais le problème, c'est que là, c'est pas bon. Là, quand je clique sur mount, mount, ça veut dire monter, donc monter cette image. Or là, c'est totalement l'inverse. Là, je veux le dézipper. Donc là, en fin de compte, c'est pas bon du tout, parce qu'il faudrait que je... Là, quand je vais cliquer sur Moon, ça veut dire monter. Mais je ne veux pas monter l'image, je veux la démonter, justement. Et quand je clique là, hop, erreur, déjà. Voyez, déjà, erreur. Il y a erreur, voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, c'est incompréhensible. Hein. Voilà, on nous dit des trucs, mais bon. Ok, on dit temporary file, c'est machin. Ok, mais il est vide, mon dossier temp. Voilà, local application, machin, il est vide. Bon, alors, je vois pas où c'est quelle est l'erreur. Et en plus, comme je vous dis, là, ce n'est pas mount, c'est une mount démontée, puisque là, il est déjà monté l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la logique de ce logiciel-là, il faut cliquer sur mount pour que ça fonctionne. Parce que si je clique sur une mount, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Si je sélectionne, voilà, une mount. OK, image, une mount successful. OK, là, il me dit, d'accord, elle a été démontée. OK, alors, voyons voir si elle a été démontée. Il n'y a rien du tout. Voilà. Elle n'a pas été démontée puisque mon dossier est vide. Voilà. Donc en fin de compte, je lui ai dit de démonter. Voilà, celle-ci, qui est pareille que là-dedans. Là-dedans. Il me dit successful. Ok, ben, il est où? Ils sont où les fichiers? Il n'y en a pas. Donc ben, ce qu'il faut faire, ben, c'est tout con, mais bon, il faut le savoir. J'ai galéré un peu. Ben, hop, vous supprimez le dossier. Voilà. Et puis vous en recréez un autre. Voilà. Et vous l'appelez ben, comme vous voulez. Alors, on va essayer de le laisser sur nouveau dossier. Je vais voir, je vais tenter une chose. Je vais le laisser au même nom, nouveau dossier. Donc là, j'ai supprimé celui-ci. Voilà.
J'ai recréé un dossier. Voilà. Maintenant, je vais lui redire l'endroit. Parce que je viens de recréer le dossier, donc il faut que je lui refasse voir l'endroit. Pour être sûr. Donc, moon point, voilà. Disque dur. Z. Non, là, je ne peux pas étirer. Encore dommage. Nouveau dossier, je lui fais voir, je lui dis que c'est là, ok. Voilà, et là je clique sur Mount. Et là, ça fonctionne. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas quand le dossier utilisé a été utilisé ou en fin de compte, c'est parce que le dossier il a déjà été utilisé. Voilà, j'ai pas précisé, mais je l'avais déjà utilisé. Et quand vous voulez le réutiliser, ça ne fonctionne plus. Voilà, pourtant là vous avez vu. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur Mount. Et là, en fin de compte, bien, c'est en train de me dézipper. Mais le terme, il n'est pas bon. C'est pas Mount. C'est démount. Enfin, une Mount, pardon. Démount, que je raconte n'importe quoi. C'est une Mount. Mais vous voyez, le bouton, il est là. Mais je ne peux pas cliquer sur une Mount, puisque ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Vous voyez, là, image. Mounted successful, ok. Image montée. Image. Il dit bien image. Il m'a monté l'image. Il m'a pas monté l'image. Il me l'a démonté l'image. Donc là, c'est pas bon. Ici. Donc celui qui a fait ce logiciel-là, je ne sais pas ce qu'il a fumé comme joint, mais à mon avis, il a dû mettre la dose dedans. Donc là, je vais vous faire voir que mes fichiers maintenant sont bien dedans. Voilà. Il m'a bien extrait ça, qui représente tout ça. Maintenant, je veux donc remonter cette image. Admettons, je fais des modifications. Par exemple, là, je dis, par exemple, je veux modifier au niveau de programme. Voilà, programme, j'ai un tas de programmes dedans. Alors, je vous précise que cette image-là, .wim, elle est issue d'un ISO pour réparer les PC. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est ici, ça appartient à c'est des secours, voilà, à Windows 10 PE. Voilà. Où je vous ai déjà mis le lien sur mon compte. Voilà. C'est un utilitaire pour booter sur les Windows 10 et 8 et 8.1 afin de. Voilà, c'est grosso modo, c'est le successeur de IRN Boot CD pour Windows 7. Grosso modo. Donc, cette image, elle est issue de là. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, comme je vous disais. Bah voici les bugs. Donc pour l'instant, j'en vois deux. Le dossier, si vous l'avez déjà utilisé et créé avant, eh bien ça lui pose problème, malheureusement. Et ici, le terme qui n'est pas bon. Voilà. Parce que ça devrait être une mount. Mais comme je vous dis, on a beau cliquer sur une mount, ça ne fonctionnera pas. Il faut cliquer sur mount. Alors que mount, ça veut dire monter et non pas extraire. Donc là, ça me l'a bien extrait. Donc là, le terme, il n'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'il a fait le mec, mais bon, bref. Donc je vous referai une vidéo pour l'utilisation de ce logiciel. Et comme je vous dis, il y a déjà des tutos sur Internet, sur YouTube, mais ils sont en anglais. Donc je me suis dit, je vais en faire un en français. Alors je vous avoue, j'ai quand même regardé sur un tuto, parce que, voilà, c'est pas évident. Il y a plein de trucs, c'est marqué en anglais, voilà. Moi et l'anglais, bon, voilà, je ne suis pas très fort non plus. Mais je trouve qu'il y en a pas mal pour, voilà, pour ce que ça sert. Donc je vous fais voir vite fait comme ça, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, hop. Voilà, donc je vous referai un tutoriel pour ça. Donc là, je vous ai fait voir les bugs que vous avez. Donc, comme je vous dis, si ça vous arrive aussi, vous l'utilisez. Si vous avez un problème bah, similaire, comme quoi il vous crée une erreur sur le dossier, eh bien, il faut supprimer le dossier et en recréer un. Voilà. Éventuellement. Ou en recréer un autre.
de façon à accueillir l'extraction. Mais comme je vous dis, le mieux, c'est quand même de supprimer l'ancien et de refaire un dossier. Parce que si vous avez, sinon, vous allez vous retrouver avec des dossiers et vous allez peut-être vous perdre et vous plus savoir lequel est le bon. Si vous les laissez sans les supprimer. Voilà.